Bonjour à tous. Les gars, accrochez-vous, ça va être une deuxième pour vous. Soyez patients. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire de famille qui se passe dans la Genèse et qui a une généalogie un peu compliquée. Donc, je vais commencer par rappeler le contexte et puis après, on va dire une première partie de Genèse sur laquelle je vais faire une partie. Après, Jonathan dira une deuxième partie de Genèse sur laquelle il fera une deuxième partie. Voilà comment ça va se passer. Donc, le contexte. Donc, on va parler de la famille qui vient juste après Abraham, Abraham et Sarah. Donc on va parler du fils d'Abraham, qui s'appelle Isaac, qui s'est marié avec une femme qui s'appelle Rebecca, et avec laquelle il a eu deux fils, des jumeaux, Ésaü et Jacob. Dans cet ordre-là, c'est important. Donc Ésaü l'aîné est né avant Jacob, son frère. Donc ils vivent une vie, je fais très court, sur la fin de la vie d'Isaac. Il devient vieux, il devient aveugle, et il se met en position d'aller bénir son premier fils, son premier-né, Ésaü, ce qui est contraire à ce que Dieu a prévu pour cette famille. C'est important, retenez-le. Dieu avait prévu de bénir Jacob et non Ésaü, c'est ce qu'il avait annoncé à Rebecca. Donc Rebecca entend ça, et Rebecca, elle met en place un plan pour contrer ce que son mari a prévu de faire. Donc pour aller chercher, arracher la bénédiction pour son deuxième fils, Jacob, et non pour le premier, Ésaü. Ça va, on est toujours OK. Et donc, en fait, le premier passage qu'on va lire, c'est ça, c'est donc le deuxième fils, Jacob, qui vient auprès de son père voler la bénédiction que son père avait prévu de donner à l'autre fils. Allez, on va lire le texte, s'il te plaît, Johan. On fait un sur deux encore, ouais. Donc il, là en l'occurrence, c'est le fils Jacob qui va trouver son père. Donc Jacob alla trouver son père et lui dit « Mon père, je t'écoute mon fils, dit-il, mais dis-moi qui tu es ?» Jacob reprit « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Viens donc t'asseoir pour manger de mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » « Comment as-tu trouvé si vite du gibier, mon fils ?» demanda Isaac. Il répondit, « Le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi, je veux te toucher, mon fils. Es-tu bien mon fils Ésaü ou non ?» Jacob s'approcha de son père. Isaac le toucha et il dit, « La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob, parce que ses bras étaient couverts de poils comme les bras d'Ésaü, et il le bénit. Il lui demanda encore, « Tu es bien mon fils Ésaü ?»« Oui, répondit Jacob. » Isaac reprit, « Serre-moi mon fils pour que je mange de ton gibier et que je te donne ma bénédiction. » Jacob servit son père qui mangea et lui offrit du vin qu'il but. Ensuite Isaac lui dit, « Approche-toi et embrasse-moi mon fils. » Jacob s'approcha donc et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et lui donna sa bénédiction. « Vraiment, dit-il, l'odeur de mon fils est comme celle d'un champ que le Seigneur a béni. » Que Dieu te donne la rosée qui tombe des cieux, les riches produits de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des populations entières soient à ton service, que des peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, qu'ils s'inclinent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Lorsqu'Isaac eut achevé la bénédiction qu'il donnait à Jacob, celui-ci sortit. Il avait à peine quitté son père qu'Ésaü revint de la chasse. Donc voilà pour le premier passage qu'on voulait lire avec vous. Et donc juste avant de commencer le message, on se projette un tout petit peu plus loin. Donc vous avez vu, Ésaü revient de la chasse. Donc il réalise qu'il s'est fait voler par son frère la bénédiction qu'il attendait de son père. Et donc là, il est furieux. Il a envie de tuer son frère. Et il se dit, je vais attendre que mon père meure pour aller tuer mon frère. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe dans le cœur d'Ésaü. Et dans le cœur de Jacob et Rebecca, ce qui se passe en fait, c'est que donc Rebecca sait que Ésaü veut tuer Jacob, et donc elle lui dit, fuis, pars chez ton oncle, et il y restera 20 ans, et voilà, et il se passera pas mal de choses. Et ça c'est la deuxième partie du message, le retour de Jacob, sans spoiler ce qui va se passer. Donc ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, la première partie, c'est on va regarder un petit peu ce qui se passe dans cette famille terrestre, charnelle, qui, par certains aspects de la vie qu'elle mène, essaie de contrer les plans de Dieu, ou en tout cas d'aller les arracher par ses propres forces. Et ce que je vous propose, c'est de regarder par trois protagonistes. Donc le premier protagoniste, on va regarder le rôle que Rebecca, la maman, joue,
dans cette histoire. Après, on va regarder le rôle que Jacob, le fils qui arrache la bénédiction, joue. Et après, on ira regarder du côté du père, Isaac, pour voir ce qui se passe aussi de son point de vue. Donc, on commence avec la maman. Alors, rassurez-vous, hein, je préfère le dire en introduction, tout le monde va en prendre pour son grade, les mamans, les papas, les fils, voilà. Donc, vous inquiétez pas, ça va être... Mais il y a des bénédictions qui arrivent parce que Dieu est fidèle et Dieu est bon et Dieu est puissant. Donc, voilà. Alors, Rebecca. Donc, Rebecca, je vous l'ai dit, en fait, elle entend son mari, Isaac, dire à son fils Ésaü qu'il a envie de le bénir. Voilà. Sauf que Rebecca, quand elle était enceinte des deux jumeaux, Dieu lui a prononcé une parole pour elle et pour sa famille, où elle, Dieu a dit « Ce sera Jacob qui dominera sur Ésaü. » Bon, une parole de Dieu, ça ne se contre pas comme ça. Donc c'est ça ce qui est prévu, c'est le plan qui est prévu pour cette famille. Et elle le sait. Et malgré tout, en fait, elle met en place ce plan pour que Jacob... aille chercher, non c'est pas malgré tout, c'est en cohérence avec ça, elle met en place ce plan pour que Jacob aille arracher la bénédiction auprès d'Isaac. Donc on peut se dire, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? Pour répondre à cette question, j'ai trois pistes, mais qui ne sont que des pistes, donc je vous invite à y réfléchir, c'est pas quelque chose que j'impose comme ça. La première piste, c'est que, on l'a vu, Dieu a annoncé à Rebecca que c'est le plus jeune qu'elle ait maîtrisé sur l'aîné. Donc en fait, même si Isaac a envie de faire autre chose, d'aller bénir Ésaü, peut-être que Rebecca, dans son cœur, elle se dit en fait, mais c'est pas ce que Dieu m'a promis, donc là il faut que j'agisse, il faut que j'aille contrer ce qui est en train de se passer, que par mes propres forces, en fait, j'aille forcer le plan de Dieu à advenir. Cette question de est-ce qu'il faut être actif ou passif, on y reviendra par la suite sur les promesses de Dieu. La deuxième piste possible sur pourquoi Rebecca agit comme ça, c'est, ça c'est écrit dans la Bible noir sur blanc, donc il n'y a pas de doute là-dessus, c'est, il est marqué dans la Bible que Isaac préfère Ésaü et que Rebecca préfère Jacob. Vous voyez, chaque parent a son fils préféré. Donc Rebecca préférant Jacob, bah peut-être qu'elle se dit, en fait, je vais défendre les intérêts de mon fils préféré et puis je vais aller voilà, chambouler un peu ce qui est prévu dans cette famille. En tout cas, ce que mon mari est en train de mettre en place. La troisième piste possible, c'est, là aussi c'est marqué, Ésaü, il se marie avec deux femmes, des Hittites, et en fait, les relations de ces deux femmes avec les parents, donc avec Isaac et Rebecca, sont très mauvaises. Et donc on peut se dire aussi, peut-être que Rebecca, en fait, encore une fois, c'est des suppositions, c'est pas marqué dans la Bible, peut-être que Rebecca, en fait, est en train, parce qu'elle préfère son fils Jacob et parce que ça se passe mal avec ses belles filles du côté d'Ésaü, dire, allez, on va forcer vraiment ce que Dieu a prévu, on va le faire maintenant, quoi. On ne sait pas en tout cas pourquoi elle choisit ce moment pour intervenir. Et ça pose la question qui est délicate dans nos vies. Est-ce que Rebecca, elle est en train d'intervenir à la place de Dieu? Est-ce que la temporalité de Dieu, elle est suivie ou pas? Est-ce que Dieu avait prévu d'agir plus tard par rapport au plan qu'il avait annoncé? Donc le rôle de Rebecca dans toute cette histoire, en fait, ce qu'on peut se dire à minima, c'est que Rebecca, quand on lit ce passage, elle n'est pas... À proprement parler, elle n'est pas actrice de paix, d'apaisement, et voilà, au sein de sa famille. On voit qu'elle fomente en fait contre son propre mari, on voit qu'elle fomente contre Ésaü. En fait, Jacob, on va voir après, ce qu'elle fait, c'est pas source de bénédiction pour lui malgré tout. Donc c'est une vraie difficulté. Et ce que je vous invite à faire, c'est que, par rapport à cet exemple de Rebecca, à vous poser, à nous poser des questions pour nos propres vies aujourd'hui. Ça s'est passé il y a des millénaires, mais qu'est-ce que ça dit pour nos vies aujourd'hui, en fait? Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans nos vies de famille, dans nos relations intrafamiliales, on est toujours vecteur de paix, d'apaisement, de bienveillance, etc. C'est facile de taper sur Rebecca, mais où est-ce qu'on en est, nous, dans nos propres vies? Deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a suffisamment confiance en Dieu et dans les promesses qu'il formule sur nos familles et sur nos vies pour laisser le temps de Dieu prendre sa place dans nos foyers? Ou est-ce que, parce qu'on est impatient ou qu'on n'a pas suffisamment confiance en Dieu, on essaie d'aller forcer, arracher ce que Dieu a prévu pour nous? Et une question très spécifique pour les mères de famille, il y en a sûrement dans l'Assemblée, pour les mères de famille, par rapport quand on voit ce qui s'est passé entre Rebecca notamment et son mari et ses fils, est-ce que vous, mères, vous êtes toujours des bonnes compagnes, des bonnes conseillères, à la fois pour bénir vos maris dans la relation qu'ils ont avec leurs enfants, et puis aussi l'inverse, est-ce que vous êtes des bonnes conseillères, source de paix et d'apaisement, pour conseiller vos enfants dans leur relation avec leur père?
Je vous laisse avec ces questions. Bon, on a parlé de maman, Rebecca. Rebecca, elle n'est pas toute seule dans cette famille et elle n'est pas toute seule à avoir des difficultés à suivre le plan de Dieu. Donc maintenant, on va parler de Jacob. Donc Jacob, pour vous rappeler, c'est le fils préféré de Rebecca qui vient arracher la bénédiction auprès du père Isaac. Alors on peut se dire effectivement que Rebecca, elle n'a pas assuré dans cette histoire parce que c'est elle l'instigatrice hein, de tout ce plan-là. C'est elle qui, le cerveau de l'affaire, qui a dit à Jacob, voilà comment on va faire, voilà comment tu vas te comporter avec ton père pour aller arracher ce qui était prévu. Mais en fait, quand on remonte un tout petit peu dans le texte avant ce qu'on a lu, on se rend compte que Jacob, il a déjà commencé ce travail de sape et de vol de son frère aîné. Parce que sur un événement qui peut paraître complètement anodin, en fait, son frère Ésaü revenait de la chasse, il avait faim, Jacob avait cuisiné, et donc Ésaü dit à Jacob, j'ai faim, je vais mourir. Ça c'est très masculin. Vite, nourris-moi, sinon je vais mourir. Donc il lui dit, nourris-moi, sinon je vais mourir, et si tu veux, je te donne mes droits de fils aîné. Et Jacob, il dit, ok, pas de problème. Voilà un souper, et moi je récupère et je vole tes droits de fils aîné. Donc vous voyez, il avait commencé en fait. Avant le plan que Rebecca a mis en place, il a déjà commencé à aller voler des choses auprès de son frère. La deuxième chose qu'on peut dire sur Jacob, c'est que quand Rebecca, sa maman, lui propose ce plan pour aller arracher la bénédiction, on ne le voit pas pousser des cris en mode « Non mais maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas possible, on ne peut pas faire ça à notre père et à notre frère. » Voilà, il ne s'oppose pas. Il est encore une fois dans cette dynamique de « Ok, on va mettre en place un plan, on va aller flouer mon frère aîné, on va aller tromper mon père, etc. » Donc il est complètement dans cette lignée-là. Ça ne lui pose aucun problème. Pourquoi ? Encore une fois, on peut se poser la question « Pourquoi est-ce qu'il suit le plan de sa mère comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il se laisse faire ? » Est-ce que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est parce que son père préfère Ésaü et qu'il le sait, qu'il le sent ? Et que du coup, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur qui est si mon père préfère mon autre frère, ok, je vais m'opposer à eux, et puis on va aller se battre, en fait. On va aller arracher des bénédictions qui ne sont pas prévues. Est-ce que c'est à contrario parce que toute sa jeunesse, toute sa vie, en fait, il a entendu sa propre mère, Rebecca, lui rappeler « Dieu m'a dit quand j'étais enceinte que c'est toi qui allais avoir la bénédiction de ton père, etc. » Donc il a grandi avec ça. Et puis du coup, de voir que potentiellement quelque chose de différent va se passer, il ne l'accepte pas. Et du coup, avec sa mère, il dit « Ok, on va aller arracher cette bénédiction. » Là, encore une fois, c'est des questions que je vous pose. Je n'ai pas de réponse, mais c'est pour alimenter nos réflexions par rapport à la parole de Dieu. Donc en synthèse, le rôle de Jacob dans cette histoire, on peut dire que comme Rebecca, ce n'est pas non plus un instrument de paix dans sa famille. Ce n'est pas un instrument de bénédiction. Et de la même façon qu'on s'est posé la question avec Rebecca, comment est-ce que ça peut nous interpeller dans nos propres vies ? Alors là, j'ai des questions un peu différentes pour nous. La première, c'est est-ce que quand dans nos familles, il commence à y avoir des conflits, des relations tordues, des choses différentes des bénédictions qui sont prévues par Dieu, est-ce que nous, chacun individuellement, on est capable de prendre position et d'aller à l'encontre de ces mouvements familiaux et de ces problèmes familiaux ? Et la deuxième question que je pose, alors cette fois-ci au fils, et j'en suis un, et tous les hommes en sont un. Fils, est-ce que nous sommes capables d'aller voir nos propres pères quand il y a des problèmes relationnels qui s'installent, sans avoir à passer par un tiers, par nos mères, par nos frères et sœurs, par quelqu'un d'extérieur, etc. Est-ce qu'on est capable d'aller voir nos propres pères et de dire, mon père, voilà ce qui est en train de se passer, tu préfères tel autre fils, ou tu as une bénédiction prévue pour tel autre, etc. Je veux qu'on en parle pour qu'on bénisse notre relation et qu'on apaise toutes ces situations. Donc voilà pour le matricule de Jacob. Et maintenant, on va passer à Isaac, donc le papa. Et on va arriver sur la paternité et sur, moi ce que j'ai cru déceler dans ce passage, c'est deux travers, deux pièges pour les pères. Vous avez vu qu'il y en a pour les mères, il y en a pour les fils, on arrive au père maintenant. Donc deux choses particulières que j'ai cru relever. Le premier c'est, il me semble que dans ce passage, on voit une certaine passivité du père de famille, d'Isaac, sur différents sujets. La première passivité qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait il est passif avec sa propre femme et avec ses fils. Dans le sens où, alors là j'imagine, mais ça fait 40 ans en fait qu'il vit avec ses fils, ça fait plus longtemps qu'il vit avec sa femme, et donc comment n'a-t-il pas pu voir les mécaniques qui étaient en train de se mettre en place dans sa propre famille ?
lui, il sait déjà au fond de son cœur en fait qu'il préfère Ésaü. Il sait probablement que Rebecca préfère Jacob. Il sait aussi qu'il y a une promesse de Dieu qui a été faite sur Jacob à Rebecca, et ça l'empêche pas non plus de vouloir faire autre chose que ce que Dieu a prévu. Alors pourquoi est-ce qu'il fait rien pour rétablir, en tant que patriarche, les relations aimantes et bénissantes dans cette famille ? Une vraie passivité qui lui colle à la peau là. Et puis je trouve qu'aussi Isaac, il est passif face à ses propres démons, ses propres errements, parce que comme on l'a dit, en fait, il sait qu'il préfère un fils par rapport à l'autre. Et ça, il n'y a aucun moyen, en fait, aucun moment où Dieu peut dire que ça, c'est bon. Donc, un père de famille qui commence à faire des préférences dans sa propre fratrie, dans sa propre descendance, il me semble que c'est quelque chose à présenter à Dieu, à venir épurer, à venir purifier, etc. Et Dieu est bon et fidèle sur ces sujets-là aussi. Et le deuxième piège, il me semble, dans lequel tombe Isaac, on en a parlé plusieurs fois, mais là on va revenir une dernière fois dessus, c'est le fait qu'il fait cette préférence entre ses fils, cette rivalité qu'il instaure en fait entre Ésaü et Jacob. Je crois que cette préférence a semé dans le cœur de Jacob des graines d'amertume, des graines de ressentiment, probablement vis-à-vis de son père Isaac, probablement vis-à-vis de son frère Ésaü, et qui font qu'en fait, il y a une dynamique vraiment mortifère qui se met en place dans cette famille. Un père, il me semble, là aussi, encore une fois, il est là pour aimer ses fils et ses filles, mais là, en l'occurrence, ses deux garçons. Il est là pour aimer ses fils de façon la plus proche que celle que Dieu a prévue pour nous, c'est-à-dire de façon complètement inconditionnelle. Donc à partir du moment où bon, c'est pas simple, hein, je suis d'accord, mais à partir du moment où un père commence à faire des gradations dans les enfants qu'il a, il me semble qu'on s'engage sur des chemins qui sont des chemins de mort, des chemins de malédiction et non pas des chemins de bénédiction. Et là en fait ce qu'on voit, ce qui se passe dans la suite du récit, et je vais m'en arrêter là après, c'est qu'une fois que toute cette dynamique elle s'est mise en place, donc il y a la jalousie entre les frères qui se met en place, la rivalité, de la trahison, de la haine, des envies de meurtre, d'Ésaü qui veut tuer Jacob, la séparation de la famille, puisque Jacob est obligé de fuir, donc de la douleur. Vous voyez, en fait, toutes ces étapes, en fait, c'est que de la malédiction, c'est que de la douleur, de la souffrance, etc. Et Dieu, il veut pas ça pour nos familles. Dieu, il veut la bénédiction et les bonnes choses. Et heureusement, Dieu est souverain, donc ça, c'est la partie positive du message. Dieu est souverain, et Dieu vient bénir, vient guérir, vient restaurer les relations dans la famille de Rebecca, Isaac, Jacob et Ésaü. Et c'est une promesse aussi pour nos familles. Amen. Merci Timothée. On va poursuivre avec un autre passage du cycle de Jacob qui se trouve en Genèse au chapitre 32. Et c'est un texte fort pour nous jurassiens parce qu'on a médité dessus pendant une journée, ce combat de Jacob avec l'ange de l'Éternel. Et voilà, on l'a incarné. Ce passage, on l'a pris pour nous, peut-être qu'on témoignera de ça aussi tout à l'heure. Et voilà, il y a quelque chose de fort qui s'est vécu, qu'on a envie de vous partager. Genèse chapitre 32. Il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci se déboîta. Il dit alors, « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, » répliqua Jacob. L'autre demanda, « Comment t'appelles-tu ? » ?»« Jacob, » répondit-il. L'autre reprit, « On t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as eu l'avantage. » Jacob demanda, « Dis-moi donc quel est ton nom ? » ?»« Pourquoi me demandes-tu mon nom ? » répondit-il. « La même. » Il bénit Jacob. Celui-ci déclara, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » C'est pourquoi il nomma cet endroit Pénuel, ce qui veut dire « face de Dieu ». Le soleil se levait quand Jacob traversa le torrent de Pénuel. Il boitait à cause de sa hanche. Amen. Petit garçon ou petite fille, on aime jouer à la bagarre avec son papa. Je peux vous le dire, en étant père de 4 petites filles, elles aiment venir se confronter à moi dans le jardin ou dans le lit. Et j'ai ma deuxième, Eden, qui vient tâter mes muscles. Elle dit « Papa, t'as fait moins de sport ces derniers temps ?» Voilà, je pense que les enfants, quand ils sont jeunes, ils ont besoin de savoir qu'ils sont en sécurité,
que s'il y a un danger, s'il y a une intrusion, leur papa sera capable d'être là et de protéger la maison. Et puis, adolescent, le rapport de force continue. On veut se confronter à son père. Et puis, on se rend compte que parfois, on a l'avantage. On le bat au bras de fer ou dans quelque chose de plus corporel, de plus qui ressemble plus à un art martial. Et là, on se sent puissant. On croyait que notre père était plus fort que tous les autres pères, le plus fort du monde. Et puis là, il a une faille et on arrive à prendre l'avantage sur lui. Et là, il y a quelque chose de réconfortant, de gratifiant. Je crois que ça, on le retrouve un peu dans toutes les cultures, la confrontation en corps à corps avec le père. Parce que ça permet de forger l'identité, de construire une personnalité. On sait quelles sont nos limites et quelles sont les limites de notre père. C'est ça qu'on voit. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce passage, dans le combat entre Jacob et l'ange de l'Éternel. Parfois, malheureusement, c'est pas un jeu. La confrontation avec le père. Et là, c'est un drame. C'est un drame parce que l'enfant ne peut pas se développer comme il aurait dû le faire. Si on est systématiquement mis en échec par notre père terrestre, si on est rabaissé, si on est rabroué, s'il a eu pour nous pendant l'enfance ou pendant l'adolescence que des paroles dévalorisantes, que des gestes, que des actes qui niaient notre valeur, qui nous sommes, le fait qu'on est aimé, quoi qu'on fasse, on porte en nous une blessure profonde. Une blessure profonde qui est là pour longtemps, parfois pour toute la vie, si elle n'est pas remise à Christ, si elle n'est pas assainie, si on ne vient pas redécouvrir ce qu'est la paternité céleste, qui vient réparer et guérir la paternité brisée de notre Père terrestre. Il y a d'autres moments où le père est absent. Le père n'est pas là. Soit il est démissionnaire, soit il est décédé, mais il n'est pas là. Et dans ces cas-là, il n'y a pas ce vis-à-vis, cette personne avec qui on peut jouer à la bagarre. Et là, il n'y a plus de limite. On peut rentrer dans la toute-puissance, faire ce qu'on veut. Il n'y a pas le père pour dire « stop, tu vas trop loin ». Ça, tu ne peux pas le faire. Et l'enfant n'arrive pas à se construire comme il aurait dû se construire. On perd l'harmonie. Et ces hommes qui ont eu un père défaillant ou un père absent, il peut être présent physiquement, mais absent psychiquement, absent spirituellement, absorbé par d'autres choses, son travail, ses multiples occupations, ses engagements. Ces fils et ces filles qui n'ont pas eu de père à la hauteur, ils vont en chercher partout. Ils vont chercher des pères de substitution, des référents. Et souvent, ils ne vont pas choisir les bonnes personnes. Ils vont se mettre sous la coupe de quelqu'un d'autre, sous la dépendance de quelqu'un d'autre. Ils vont chercher un maître, quelqu'un qui va les approuver. Ça, c'est la quête d'une vie pour venir restaurer cette blessure. Si Christ n'est pas là et que son sang ne coule pas dans cette blessure infligée par notre Père terrestre. Timothée parlait de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Genèse 32, le texte qu'on vient de lire, c'est ce face-à-face. Je parlais la semaine dernière du vis-à-vis qu'il y a dans le couple, cet ézer kenegdo. Là, je voudrais approfondir ce face-à-face. Pénouël. C'est comme ça que Jacob appelle le lieu où il a lutté avec cet inconnu, cet ange de l'Éternel, avec Dieu lui-même. Il a vu la face de Dieu à Pénouël. Timothée parlait tout à l'heure de ces bénédictions qui se trouvent entre la passivité et le fait de les réclamer, de les arracher. Est-ce que pour être béni, il faut être actif ou est-ce qu'il faut être passif ? Je voudrais rappeler d'abord que Dieu est toujours à l'initiative. C'est lui qui vient nous bénir. C'est lui qui vient nous restaurer, nous guérir et qui nous emmène sur des chemins de vie, qui a des bénédictions en réserve pour nous. Si on remonte un petit peu quatre chapitres avant, Genèse au chapitre 28, au moment de l'épisode
de l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent du ciel, il y a une parole très forte de Dieu qui est prononcée sur Jacob. Il dit « À travers toi et tous tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Dieu est là. Il précède Jacob. Déjà dans le ventre de sa mère, cette bénédiction était posée. Le dessein de Dieu est là à l'avance. Il nous précède. Mais ça suppose une part active de notre côté. Se saisir des bénédictions qui sont là à notre disposition. Ça ne veut pas dire qu'il faut les arracher, les prendre par la ruse, par l'esquive, comme a fait Jacob vis-à-vis de son frère, avec la complicité de sa mère Rebecca. Mais ça suppose de s'en saisir, de les accueillir, de les recevoir, de les laisser infuser en nous. On pense parfois, comme Jacob, qu'on peut s'en sortir dans la vie sans se battre, sans affronter nos histoires. Les hommes en général, mais il n'y a pas que les hommes, ont des stratégies très élaborées pour ne pas traiter leurs problèmes. Ils refoulent. Ils laissent ça dans le passé en se disant « je vais gérer » jusqu'au moment où ça revient en force, au moment où on ne s'y attend pas, un moment de crise, un moment de doute. Et là, ça revient avec force, avec insistance. Il faut mener le combat, celui qu'on n'a jamais voulu mener. Parce qu'on était comme l'autruche. On disait qu'on n'en parlait pas et comme ça, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment, il faut y aller. La fuite, c'est plus possible. Jacob a fui et il nous arrive tellement souvent de fuir devant nos responsabilités, de nier le réel, de nier notre histoire, ce qui doit être soumis à Christ. Jacob, il a refoulé, comme dirait un psychanalyste. Mais là, c'en est fini. Il est dans une lutte à la vie, à la mort, avec l'ange de l'Éternel. Il va devoir affronter son ombre. Et en affrontant son ombre, il va rencontrer Dieu lui-même. Il va voir sa face. Son nom va lui être révélé. Son identité va lui être révélée. Anselm Grün a écrit que c'est en qualité d'homme blessé que Jacob est devenu le père du peuple d'Israël. Et il fait ce parallèle avec la paternité terrestre. Il dit que personne ne peut devenir pleinement père sans avoir lutté avec soi-même et avec ses zones d'ombre. Croire que l'on peut avancer dans la vie sans traiter ses zones d'ombre, c'est un mensonge, c'est un leurre. Et ces zones d'ombre, il y a fort à parier qu'elles seront projetées sur nos enfants, sur nos fils et sur nos filles. Si on ne traite pas nos blessures du passé, si on ne revisite pas nos désirs, nos passions refoulées, ça viendra sur nos enfants. Il y a quelque chose d'inéluctable qui peut être déjoué en Jésus, mais il y a quelque chose qui se répète. Les zones d'ombre de nos enfants ont de fortes chances d'être nos propres zones d'ombre, parfois amplifiées parce que non assainies. Et les enfants sont là aussi pour nous révéler nos zones d'ombre. Si on a vécu quelque chose de traumatique à 5 ans, à 12 ans, pendant notre adolescence, on va le revivre quand ils auront cet âge-là. Ils sont là et ça fait mal d'avoir ce miroir en face de nous qui nous montre ce qui doit encore être mis en lumière. Il y a quelque chose de confortable dans nos ténèbres. On est mal à l'aise, on est mal, on tourne en rond. Mais on a peur, on n'a pas envie de lutter, on n'a pas envie de les affronter, ces ténèbres. Dieu, ce matin, vous propose d'affronter ces ténèbres, d'entrer dans ce combat à la vie, à la mort, de rejouer cette histoire, ce père défaillant, peut-être maltraitant, peut-être abusif, ce père défaillant qui n'était pas là pour vous dire ce que vous valiez, que vous pouviez avancer dans la vie. Vous aviez ce qu'il fallait. Dieu le Père est là pour vous dire que vous êtes aimé inconditionnellement. Quoi que vous ayez fait, si vous demandez pardon, que vous revenez à lui, il vous accueille avec ses bras de père. C'est un cadeau qu'on se fait quand on entre en vulnérabilité. Il y a besoin d'un cadre sécurisé, sécurisant,
C'est ce qu'on a vécu dans le Jura. On a réussi à se dire nos zones d'ombre, à nous dire nos blessures. Peut-être qu'on n'en avait jamais parlé. Peut-être qu'on n'en avait parlé qu'à notre conjoint. Mais là, le fait de se le dire entre frères, non pas pour rejouer ce qui doit se rejouer, il y a eu des transferts pendant ce séjour, oui, il y a eu quelque chose de psychique où on a rejoué une relation père-fils, on a rejoué nos fraternités. Mais si on en était resté là, on serait juste resté avec nos blessures entrouvertes. Mais on a fait venir le Saint-Esprit, on a appelé la bénédiction divine dans ces blessures pour qu'il puisse nous restaurer, qu'il puisse assainir cela. Et c'est ce qui s'est passé, on en retémoignera tout à l'heure dans le Jura. C'est un cadeau de la part d'un père de révéler à son fils, à sa fille, de manière mesurée, avec la pudeur nécessaire, au moment où il faut, au moment opportun, parce que le Saint-Esprit nous dit nos défaillances, nos vulnérabilités. Ce que tu es en train de vivre en ce moment, je l'ai vécu moi-même. Cette relation compliquée qu'on est en train d'expérimenter en père-fils, je l'ai vécu moi-même avec mon propre père. Et je voudrais partager ça avec toi. Je t'ai peut-être pas dit à quel point ça m'avait meurtri, à quel point je porte encore ça sur les épaules. Peut-être parce que j'ai honte, parce que je suis pas capable, j'étais pas prêt à affronter ces zones d'ombre. Je veux le faire avec toi. C'est un cadeau incroyable. Parce que quand il y a des mots qui sont posés, nous ne sommes plus maudits, mais nous sommes bénis. Il y a besoin de dire pour que la chose soit dénoncée et qu'elle soit mise en lumière. Le père, il est là pour épauler. Il est là pour accompagner le fils, la fille. J'ai ces moments en mémoire où mon père, qui est là ce matin, a pu, à des moments clés, me dire « Vas-y mon fils, tu as ma bénédiction ». J'ai notamment en mémoire, quand je suis arrivé en prépa à Paris, qu'il fallait me trouver rapidement un petit studio. On a passé la journée ensemble, il m'a dit « On ne quittera pas Paris tant qu'on n'aura pas trouvé studio. On va le faire ensemble ». On a visité je ne sais combien d'endroits, des foyers, etc. Et on a trouvé, en priant aussi ensemble. Quand j'ai voulu partir dans une campagne d'évangélisation, j'avais 20 ans, à Kinshasa, ma mère redoutait l'Afrique, tu vois pas, la situation politique. Et lui aussi, mon père, il partageait ses doutes. Et il m'a dit, vas-y, t'as ma bénédiction. Alors je suis pas parti au final, mais je savais que j'avais sa bénédiction. Ces étés où je suis parti à l'autre bout de la planète, je disais à chaque fois, je pars 2 mois. Vas-y mon fils, je sais que c'est bon pour toi. Tu es en train de te construire. Ça, c'est des moments fondateurs. Et je l'en remercie publiquement. Dieu est aventure. Dieu est découverte. Il veut nous envoyer. Il nous envoie en mission. Mais pour nous envoyer, il faut que nous sachions qui nous sommes. Jacob a changé de nom, il est devenu Israël. Celui qui a combattu avec Dieu. Quand on sait qui on est, on peut partir à l'aventure de la foi. On peut accepter les défis qu'il nous lance, les propositions qu'il nous fait, qui paraissent parfois folles, parfois hors de toute réalité, mais c'est le chemin qu'il nous propose. Je voudrais vous laisser un dernier message fort. Le fait que Jacob a découvert ses limites en défiant le Tout-Puissant, en défiant l'Éternel. Il a compris qu'il ne pouvait pas faire seul, par ses propres moyens. Il n'est plus dans la rose, dans la ruse, comme il l'avait fait avec Rebecca. Et en découvrant ses limites, les limites posées par l'Éternel, il a pu déjouer tout ce qui a été décrit tout à l'heure dans l'histoire familiale que Timothée nous a révélée. Il avait pu être tenté par la fusion. La fusion avec sa mère Rebecca, être dans les girons de sa mère, vivre sous sa coupe, sous les injonctions qui étaient proposées. Et nous aussi, on peut revivre ces relations fusionnelles, pas seulement avec notre mère, dans une fratrie, avec des frères, avec des amis, des collègues. Il peut se vivre des choses fortes de l'ordre de l'unité, de la communion, c'est ce qui s'est vécu dans le Jura. Mais ça peut dériver vers la fusion. Et là, il faut à chaque fois rappeler la limite et couper. On peut aussi être tenté par la fuite. C'est la préconisation que lui a fait Rebecca, et c'est cette voie qu'il a empruntée. Il est parti chez Laban, son oncle. Nous aussi, on peut fuir. On peut fuir l'autre parce que ça fait mal, plutôt que d'aller à sa rencontre.
de chercher le pardon, la réconciliation. Quand on lutte avec Dieu, qu'on a ce face-à-face, on va au-delà de la fusion, on va au-delà de la fuite, on affronte ce qui doit être affronté. Et puis on l'a dit, il y a le rôle de ces femmes. On peut entrer dans la séduction. Quand on ne sait pas si on est vraiment un homme, si on en vaut la peine, on va chercher auprès de la gent féminine une forme de confirmation. Une femme, deux femmes, trois femmes, on va être tenté par ça. Sauf que la confirmation de qui nous sommes, elle ne viendra jamais de la femme. La femme, elle vient là, elle vient nous compléter parce que nous savons qui nous sommes en tant qu'homme, en tant que fils du Père Céleste, en tant que fils restauré de notre Père Terrestre. Et puis il y a la sublimation quand on n'est pas dans la séduction. On va fantasmer l'amour, on va être amoureux de l'amour. Et c'est ce que va faire Jacob aussi. Il va devoir travailler 2 fois 7 ans pour son oncle Laban pour pouvoir se marier avec Rachel, cette femme qu'il avait sublimée. Il peut nous arriver aussi de tomber dans cet écueil. Ce face-à-face qui nous est proposé par Dieu, non pas pour jouer à la bagarre, mais pour livrer le combat de notre vie. Parce que lui-même, ce combat, il l'a livré à la croix pour nous, en Jésus-Christ, pour restaurer l'image du Père, le caractère du Père. Ce combat, on doit le livrer en se rappelant que Christ l'a combattu pour nous et qu'il est vainqueur de nos ténèbres. Je vous invite à prier ensemble, on va prier avec Timothée à 2 voix, pour proclamer ces bonnes nouvelles qui ont été dites ce matin sur la paternité. Seigneur, merci parce que tu es l'Éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain.